dans la nuit, sans douter de lui, c'est mon bien, c'est mon bien. C'est mon bien, approcher de Dieu, c'est mon bien, approcher de Dieu, loin des choses futiles, et rester tranquille, oui, c'est mon bien, approcher de Dieu, méditer sa loi, et entendre sa voix, oh, c'est mon bien, c'est mon bien. Approcher de Dieu, c'est mon bien. Approcher de Dieu, c'est mon bien. On y retourne. C'est mon bien. 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 À moi. Approcher de Dieu. Répandre mon âme et sécher mes larmes, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, contempler son amour, vivre pour toujours près de lui, on y va. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, on y retourne. C'est mon bien, c'est mon bien. C'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, encore une fois, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien, c'est mon bien. Approcher de Dieu, on peut la voir enrouée, difficile. Il sort un mélange, mais par contre, vous avez bien chanté. Et nous avons un mélange, mais ça vous coûte le sort. Vous allez vous souvenir du chant. Vous allez chanter à l'église. Oui, d'accord, beaucoup. Ça nous sort pas bien, ça peut être un peu. Ok. Une autre. Vous allez l'apprendre. Oui, ok, mais. Approcher de Dieu aujourd'hui et demain, ma
c'est mon bien. C'est mon bien à moi. M'approcher de Dieu pour répandre mon âme et sécher mes larmes, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, contempler son amour, vivre pour toujours près de lui, on y va. Mais par contre, vous avez bien chanté. Hein. Vous allez vous souvenir du chant. Thank you.
on va terminer. Approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'excuse, j'ai un peu la voix enrouée, difficile. Mais par contre, vous avez bien chanté. Hein. Vous allez vous souvenir du chant. Vous allez chanter à l'église. Okay. Vous allez l'apprendre. Ok, donc. Pendant quelques minutes, certainement vous le connaissez, vous en avez entendu parler. Il y a des gens qui sont tellement connus sur la terre, que par leur nom. Je vous pose une question. Est-ce que vous croyez qu'ils sont connus dans le ciel? Il y a des gens qui sont très connus sur la terre. Finalement, quand ils arriveront au ciel, est-ce qu'ils sont connus là-haut? On va voir, c'est pas du tout. Et puis après, que ce soit connu ou pas connu, c'est la même chose. Jeune fille, toi jeune homme, vous qui êtes là-bas, dans le domaine sportif, certainement que vous connaissez les noms des joueurs de foot de votre équipe. L'équipe ici, certainement qu'il y a de très très bons joueurs dans l'équipe du Bénin. Et simplement en citant le nom, on sait qui c'est. Parce qu'il y a des noms. J'ai parlé du domaine politique. Et puis, il y a aussi dans le domaine de l'industrie. Que nous avons fait sur la terre. Mais je reviens encore sur les noms. Moi, en ce qui me concerne, j'ai trois nationalités. Je suis de nationalité portugaise. Et puis quand je suis venu en France, à l'âge de 6 ans, plus tard, moi-même, j'ai demandé à avoir la naturalisation française. Et quand j'ai fait ces démarches, là aussi on m'a dit, mais quel est votre nom? Où vous êtes né? Et finalement, j'ai fait les démarches, et parce que j'ai donné mon nom, où j'étais né, on m'a donné la nationalité française. Que nous devons nous poser, que je dois me poser, et que vous devez vous poser à la fin de ce message. Je te la pose. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? C'est très important que chacun vous positionne et que vous répondiez à cette question. Ici, ce soir, certains, je sais, peuvent dire oui. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 30 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, il y a 35 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Et je suis devenu un citoyen du ciel. Je n'ai plus peur de mourir. Parce qu'après ma mort, j'irai au paradis, j'irai dans la nouvelle Jérusalem céleste. J'irai rejoindre mon Seigneur. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mais toi, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? C'est une question à laquelle tu dois répondre. Si ce n'est pas le cas, alors tu es en danger. Mais tant que tu es sur la terre, tu peux prendre une décision. Mais lorsque tu seras de l'autre côté, tu seras mort, ce sera trop tard.
Et c'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça encore que la Bible nous dit dans Luc, chapitre 10, et le verset 20, c'est Jésus qui a dit ça. Il a dit, réjouissez-vous. Il le disait à ses disciples. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous. Il y a beaucoup de joie dans mon cœur de savoir que je suis connu dans le ciel, que le Seigneur me connaît et que mon nom est inscrit parce qu'un jour je l'ai accepté, parce que je l'ai reconnu comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. J'ai reconnu qu'il a donné sa vie pour moi, j'ai reconnu qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Dis-moi, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre des vies? Je vous dis ça encore pour terminer. En fait, par rapport à cette question, si votre nom est inscrit dans le livre de vie, c'est ce qui va en fait déterminer si vous serez en enfer et au paradis. Vous devez répondre à cette question. Le fait de répondre oui ou non va déterminer l'endroit où vous serez un jour après votre mort. Soit au paradis auprès du Seigneur, soit en enfer pour l'éternité avec le diable et ses démons. Rappelez-vous, lorsque Jésus était à la croix, il était en train de souffrir. Il y avait deux brigands avec lui, à la droite, à la gauche. Ces deux brigands étaient à quelques secondes de rentrer dans l'éternité. A commencé à insulter Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu, t'as qu'à dire aux anges qui viennent et qui te libèrent de la croix. Et il insultait Jésus. Et puis l'autre a commencé à dire, mais pourquoi tu insultes Dieu? Pourquoi tu insultes Jésus? Mais cet homme n'a rien fait. Cet homme est innocent. Mais nous sommes des meurtriers. C'est justice ce qui nous arrive. Qu'on soit sur la croix, c'est le châtiment. Ton mérite. Et finalement, un des brigands dit, Seigneur, lorsque tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et Jésus va lui dire, ils étaient les deux à quelques secondes dans l'éternité. Et un va saisir la grâce de Dieu et l'autre va la rejeter. Et Jésus répondra à celui qui lui a dit, souviens-toi de moi. Lorsque tu viendras dans ton règne, Jésus lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voulez que je à la croix. Et je prie, Seigneur, que chacun ce soit prenne conscience de ce qu'ils ont entendu. Que leur vie dépend de la décision qu'ils prendront ce soir. En t'acceptant, ou peut-être en remettant à demain, peut-être en te rejetant, en disant je ne veux pas de Jésus. Mais cette décision aura une conséquence éternelle. Pour ce soir, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que tu dis oui, moi je veux te recevoir, Seigneur. Je veux être en règle. Je reconnais que tu es Jésus le Fils de Dieu. Ou alors, par rapport à ta décision ce soir, de refuser de venir à Jésus, la conséquence, c'est que ton nom ne sera pas inscrit dans le registre du ciel. Mais quand tu arriveras, après ta mort, là-haut, auprès du Seigneur,
N'ayez pas peur. Si vous avez levé la main, venez là. Et j'aimerais venir. J'aimerais prier pour vous. Mais faites-le sincèrement. T'as bon être jeune, tu peux le faire sincèrement. C'est important. Y en a-t-il d'autres encore? Si vous voulez vraiment donner votre vie à Jésus, vous pouvez venir devant. Merci. Y en a-t-il d'autres encore? S'il vous plaît. C'est une question de vie ou de mort. Le salut, c'est vous, c'est personnel, vous devez prendre la décision. Mais faites-le. Donnez votre vie à Jésus. Soyez inscrit dans le livre de vie. Faites-le avec sincérité. S'il vous plaît. Y en a-t-il encore d'autres? Venez. Le Seigneur vous attend. Parce que ce soir, votre vie va changer en vous approchant de Jésus. Parce que vos noms vont être inscrits dans le livre de vie. Merci les jeunes. Vous étiez là hier soir? Non? Vous étiez venu hier soir? Oui? Vous étiez là-bas, non? Eh bien, c'est bien, restez là. C'est la meilleure place, c'est ici. Y en a-t-il d'autres encore? S'il vous plaît, c'est le moment de donner votre vie à Jésus. Ce soir, votre nom va être inscrit dans le livre de vie. Vous allez être connu dans le ciel. Pas simplement connu sur la terre. Il n'y a rien de plus beau que cela, mes amis. Amen. Amen. Y en a-t-il encore d'autres? Si c'est le cas, venez, n'ayez pas peur. Venez. Approchez-vous. Pose-toi la question. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? S'il y en a d'autres, venez. Je vais simplement prier pour vous. Et mon cœur est tellement réduit de vous voir tous. Vous êtes des jeunes. Vous changez de vie.